Bonjour à tous, bienvenue sur Best TV, j'espère que tout le monde va bien. Alors il y a quelques jours, Carla a fait une interview en expliquant que sa relation avec Kevin était trop toxique et qu'il avait bel et bien eu une relation intime avec Belle. Du coup, suite à cette interview, Kevin l'a très mal pris et a posté ce message. Voilà, donc suite à ce message, quelques jours après, Nabil balance, donc aujourd'hui, il balance une vidéo où on découvre Carla effectuer de la sorcellerie sur Kevin pour qu'il n'ait plus aucun désir envers une autre femme. Apparemment, pour se venger, Kevin ne paierait plus Nabil pour qu'il ne balance pas certaines vidéos. Je vous laisse regarder. Il y a une envie terriblement de me faire... Bon, ça, c'était de là. Oui. Donc là, il reste 1% pour le bloquer. Oui, par la pensée. Bloque-le par la pensée. Par cette bite représentée par Kevin Gage, je demande à partir d'aujourd'hui, le 9/03/2018, que tu n'auras aucune pensée sexuelle ni aucune envie de bander, d'éjaculer, de te branler ou de te toucher par aucune autre femme que moi. Voilà, donc les internautes choqués de cette vidéo ont réagi sur Twitter. Je vous partage quelques tweets. Ensuite, je vous partage la story de Nabil qui explique pourquoi il a balancé cette vidéo et d'ailleurs qu'il y aura d'autres vidéos. Et il explique aussi qu'il déteste Carla. Je vous laisse avec sa story. La famille, je suis en train de vous lire, je suis en train de regarder vos messages. Doucement. Calmos, j'arrive, vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de gens là qui... Enfin, toutes vos interrogations, elles sont justifiées, ok? Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais Nabil, je comprends pas pourquoi tu t'en as pas parlé il y a 2 ans, pourquoi c'est aujourd'hui que tu la sors, pourquoi maintenant? Je vais vous raconter. Tout simplement parce que à l'époque, j'avais un contrat qui m'empêchait, et ce contrat aujourd'hui est caduque, donc je peux parler. Ensuite, il y a aussi énormément de personnes qui m'ont dit, mais Nabil, quand même, t'as été à leur mariage et là, tu parles d'elle. Alors, je rectifie. Je n'ai jamais été ami avec Carla, c'est un choupeau de Satan, je ne peux pas me l'avoir. Par contre, c'est vrai que je m'entends bien avec Kevin, c'est au mariage de Kevin que j'ai été, c'était du professionnel. Et d'ailleurs, elle a fait un carnage, un scandale pas possible quand elle a vu que j'étais là avec ma femme. Donc ça, c'est de 1. Et très honnêtement, mieux vaut que je me taise au sujet du mariage, parce que si je vous raconte le vrai envers du décor et ce qui s'est passé cette soirée de mariage à Courchevel, je pense que vous verrez tout le monde différemment. Déjà, mais ça vous devez le savoir, mais vous allez le voir de toute façon, parce que j'ai tout gardé, vous vous doutez bien. J'ai pas eu d'autre choix, hein, parce que c'était soit ça, je ne pouvais jamais revenir sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, ça faisait 1 an et demi qu'on m'avait tout pris. Mon Snap, mon Instagram, et ça sautait à répétition. Donc je n'ai pas eu le choix en fait que de fermer ma gueule pour ceux qui me disent. Mais maintenant j'en ai plus rien à foutre. Et s'il faut que j'aille au tribunal et que je rembourse ce que j'ai perçu, je vais le rembourser, même si de base c'est de l'argent que vous me deviez, que vous m'avez enlevé le pain de ma bouche. Je vais le rembourser, c'est pas grave. Mais wallah il a adem, acte par acte, même ça doit me prendre des 3 prochaines semaines là, tout le monde va tout savoir. Je ne suis pas le seul, comme vous vous doutez, à m'être tue. Sauf que moi j'ai pas trop eu le choix. Enfin, je sais pas pour les autres, mais je sais que Marc Blatta aussi a dû fermer sa bouche. Je sais que Cyril Hanouna a tout fait. Carrément, Cyril Hanouna, il a empêché ses chroniqueurs de parler quand elle était sur le plateau. Par la suite, parce que là, la famille, pour beaucoup, c'est marrant. Par la table magique de Kevin Gage, moi, Carla, je demande que... Ah, c'est super marrant. Mais croyez-moi qu'il y a des vidéos et des enregistrements qui sont tout sauf marrants. Vous voyez, quand on fait du sol et de la sorcellerie à un bébé, à son propre bébé, qui n'est même pas encore sur Terre, il est dans le ventre, quand on demande la mort de un tel, quand on... Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment pas prêt. Parce que ce qui était sorti, mais je sais pas comment vous dire, c'était du pipi de chat. Je sais même pas, je me demandais comment est-ce qu'à l'époque ça prenait autant d'ampleur, parce que comment ça pouvait prendre autant d'ampleur, sachant que c'était de la poussière à côté de ce qu'il y avait vraiment.
La famille, là, pareil, j'ai appris que Danae a tourné une interview la semaine dernière et qui devrait sortir dans le mois, où elle raconte ce qui s'est un petit peu passé et tout. Bah, vous doutez bien que je peux pas le permettre. À l'époque, j'ai dû m'asseoir sur ma fierté, m'asseoir sur mon honneur et m'asseoir sur beaucoup de choses pour pas sortir cette histoire. Et aujourd'hui, je suis en train de me rendre compte qu'elle est en train de sortir, mais que c'est pas moi qui vais la sortir. Jamais de la vie. C'est mon taf, c'est mon travail. C'est mon travail. Et vous savez, si à l'époque j'étais pas pris à ce point-là au coup, si on m'avait pas, parce que je le rappelle, après avoir perdu ma fille, ma grand-mère, on m'a tout pris. Mon Snapchat, mon Instagram, pendant presque 2 ans, la famille, dès que je faisais un snap pour Instagram, boum, ça sautait. De toute façon, ceux qui me suivent vraiment, ils le savent. Et je suis revenu grâce à cette histoire, parce que j'ai décidé, j'ai dit, ok, je n'en parlerai pas. Vous comprenez? Donc imaginez la frustration que j'ai en moi depuis 2 ans. Et là, je vais enfin pouvoir parler, c'est légitime. Mais en plus de ça, je ne suis pas en tort. C'est-à-dire que c'est Carla qui a cassé le contrat, ce qui me donne l'autorisation du coup de enfin, je retrouve ma liberté, je peux parler.